Oh là là, moi, tu vois, pour moi, cette histoire qui nous arrive, la planétaire, hein, c'est un message fort de l'univers. Voilà. C'est un message très fort de l'univers et qui nous plonge dans quelque chose d'inédit, hein, comme tu l'écris, et qui va, je le souhaite de tout cœur, qui va vraiment provoquer un éveil des consciences chez la plupart d'entre nous. Pour voir justement combien la paix intérieure est hyper importante, quoi, tu vois. Et que du coup, tout le monde là est touché par une angoisse hein, quand même, hein, tu vois, ça nous touche tout ça, hein, donc tous ceux-là. Et je me dis, eh ben, j'espère que ça va générer une bienveillance planétaire, tu vois, et qu'on va être beaucoup plus du fait que tout le monde a peur là, c'est quand même la grosse peur, hein, tu vois. Et ben, vraiment, les humains seront plus ceux qui habituellement n'ont pas d'angoisse profonde. Voilà, c'est ça que je voulais dire, tu vois, que je veux dire au fond, c'est que ceux qui n'ont pas d'angoisse profonde habituellement, là, ils y sont confrontés. Et que, eh ben, c'est très bien, c'est très pédagogique, hein, entre guillemets. Et voilà, et que, j'espère bien que ça va générer un éveil des consciences et qu'on va se... Eh bien, tu sais, il y en a un qui a dit, aimez-vous les uns les autres. Hein, voilà. Quelles que soient vos différences, quelle que soit votre religion, quelle que soit votre culture, etc., etc. En fait, ce virus, il se balade sur toute la planète. Il est transporté d'humain vers un autre humain. Ça signe notre interdépendance primordiale. Et ça, tu vois, waouh. Ça, c'est. Est-ce que c'est inédit, ça, Pierre-Louis? Non. Ça, non, ça n'est pas inédit parce que, en fait, on se rend bien compte que quand il y a des catastrophes naturelles, entre guillemets, qui se produisent, qu'est-ce que ça va. En quoi ça va amener, inviter les humains à devenir plus humains? Voilà. Voilà, tu vois. On en reparlera avec grand plaisir à l'occasion. Bon, moi, je ne veux pas faire ni de philo, ni de quoi, hein, tu vois. Mais j'ai vraiment toujours à cœur de partager simplement. Et je suis contente du coup que mon message, il te fasse réagir. Voilà, c'est bien. Hein. Tu dis, c'est pas du foutage de gueule, c'est inédit, incapacité. Oui. Bon, moi, j'ai quand même un peu... je suis quand même bien embêtée pour tous ces commerces, hein, si tu veux. Oui, parce qu'on dans la mesure où on n'arrive pas à gérer la situation, ben voilà. Après, qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je crois, hein, je ne suis pas la seule, peut-être que voilà. On a trop attendu, en fait, hein, pour prendre la mesure ce qui se profilait. Mais là, pareil, hein, incapacité peut-être à réagir à temps. Oui, parce qu'en fait, l'Italie est en quarantaine depuis un moment. Hein, donc, et puis, ils ont quand même lancé des SOS, hein, les Italiens, en disant, ouh, coucou, attention, vous allez y être aussi. Donc, c'est mondial. Hein, donc, voilà. Hein, voilà, on est tous. Tu vois, c'est là où je me dis, Pierre-Louis, on est tous sur le même bateau. Oui. Et un virus, il peut toucher tout le monde. Le plus pauvre, le plus humble, jusqu'au plus richissime de la Terre. Ouais. Eh ben, ça donne une bonne leçon. Gros bisous!